Toujours nous sommes dans les grands thèmes, les nouveaux départs. Notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Suivre la voie du Maître ». Suivre la voie du Maître. Nous sommes dans le livre de Luc. C'est un passage que tu as toujours peut-être lu, tu as toujours entendu. Mais aujourd'hui, Dieu a quelque chose de spécial pour nous parler là-dessus. Suivre la voie du Maître. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, les versets 2 à 7. Luc 5, versets 2 à 7, puis Jean chapitre 10, les versets 27. Luc 5, versets 2 à 7, puis Jean 10, verset 27. Je déclare qu'il y avait des pécheurs qui avaient péché toute la nuit et qui ont fini, qui ont travaillé toute la nuit, n'ont rien trouvé et qui se mettaient déjà de côté. Ils venaient à terre pour descendre et pour laver leur filet. Pendant qu'ils étaient en train de laver leur filet, Jésus-Christ prêchait au bord du lac. Et la Bible déclare que Jésus-Christ le vit. Alléluia. Jésus-Christ, il vit ces pécheurs qui descendaient, qui lavaient leur filet. Ils étaient déjà descendus, ils lavaient leur filet. Bien aimé, cet après-midi, toujours dans le nouveau départ, nous sommes en train de partir de bon pied. Nous avons parlé que le nouveau départ, c'est un départ de nouveau. Partir de nouveau, partir de bon pied. Quelque part, tu avais déjà échoué, quelque part, quelque chose ne marchait pas, quelque part, que tu avais déjà quelque chose, mais tu veux encore t'améliorer. Et il faut que tu repartes de nouveau, afin de faire de mieux en mieux, et d'aller de mieux en mieux, et afin de t'améliorer. Nous avons chacun de nous une mission que Dieu attend de nous. Et nous avons un objectif que Dieu attend de nous. Et nous sommes là censés de suivre la direction de Dieu. Dans ce nouveau départ, nous avons besoin de la voix du Maître. La Bible déclare que Jésus-Christ, il vit ses disciples, ses pécheurs qui étaient débarqués déjà, qui l'avaient enfilé, il le vit. Laisse-moi te parler. Jésus-Christ t'a localisé là où tu es, dans les problèmes que tu as, dans les difficultés que tu as, dans la situation dans laquelle tu es, dans ton niveau spirituel. Dieu t'a localisé. Il sait là où tu es. Il te voit. Il t'a localisé cet après-midi. Il t'a localisé et il a localisé ton problème. Il le connaît. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Il connaît ce qui te dérange. Il connaît ce qui te perturbe. Il connaît ce qui te fait pleurer. Il connaît ton péché. Il connaît ta faiblesse. Il connaît ta force. Et il t'a vu. Alléluia. Il vit ses disciples et ses pécheurs. Il les vit et il les localisa. Et la Bible déclare, il vient s'embarquer dans la barque de ceux qui étaient à Simon. Il y avait beaucoup de barques. C'était dans la plage. C'était, je ne sais pas, au port. Et la Bible déclare, il s'embarqua dans la barque qui appartenait à qui? Qui appartenait à Simon. Dieu t'a localisé parmi des multitudes de gens qui sont sur la terre, parmi les multitudes de gens qui sont ici dans cette salle aujourd'hui. Dieu t'a localisé en particulier. Il a localisé ton problème et il vient s'embarquer seulement dans toi. La barque représente ta famille. La barque représente ton mariage. Ça représente ton travail. Ça représente ton ministère. Ça représente la grâce que tu as. Ça représente tes affaires. Ça représente tes objectifs. Ça représente la mission que Dieu t'a donnée. La barque que nous voyons ici, ça représente quelque chose d'important pour toi. Quelque chose dans lequel toi tu peux mettre ta confiance. Dans lequel tu peux mettre tout ton cœur. Qui te fait vivre. Quelque chose qui te fait rêver. Quelque chose qui te fait sentir que tu es un être vivant. La barque, ça représente aussi ta vie. Alléluia. Et Jésus-Christ, il a regardé, il y avait beaucoup de barques. Il ne s'était pas embarqué dans n'importe quelle barque. Il vient aujourd'hui embarquer dans ta barque à toi. La barque représente la situation dans laquelle tu es, les problèmes dans lesquels tu es. La barque représente les affaires que tu fais, les projets que tu as. La barque représente ta vie spirituelle, ta marche spirituelle avec le Seigneur. La barque représente ta mission sur la terre. Et Jésus, il vient s'embarquer dedans. Laisse-moi te dire une chose. Dans ta vie, si Jésus-Christ ne fait pas affaire avec toi, tout ce que tu feras, ça sera nul. Et je vais ajouter, ça sera nul et sans effet. Dans tes études, si Jésus n'embarque pas, dans ton mariage, si Jésus n'embarque pas, dans ton fiançailles, dans tes projets, dans tes affaires, dans ta mission, même si nous partons en mission sans Jésus, c'est une mission qui est nulle.
les bacs. Mais dans toutes ces missions-là, si Jésus-Christ ne fait pas part, tu as déjà échoué d'avance. Tu as la recherche de quelque chose de très important, peut-être l'emploi, peut-être les papiers, peut-être, je ne sais pas, le mariage, peut-être, je ne sais pas, la réussite, le diplôme. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre là, si tu n'associes pas Jésus, tu n'auras rien. Alléluia. Pierre était pêcheur, il avait la barque. Pour un pêcheur, la barque, c'est sa vie. Et il savait bien nager, il savait bien pêcher. Il avait pêché toute la nuit, bien qu'il avait la barque, il n'avait même pas attrapé un seul poisson, même pas un seul crétin. Un bébé poisson. Alléluia. Il n'avait rien attrapé. Sans Jésus dans ta vie, tu n'attraperas rien. Dans ce nouveau départ, nous voulons à ce que nous faisons affaire avec Jésus. Dis-lui, Jésus, mon associé. Dites à ton voisin, Jésus est mon associé. Dites-lui encore très fort, Jésus est mon associé. Et dites à Jésus, je t'invite, entre dans ma barque. Dis-lui encore très fort, entre dans ma barque. Jésus, entre dans ma barque. Laisse à ce que Jésus entre dans ta barque. Dans cette année 2019, que Jésus-Christ entre dans ta barque. Dans ta famille, dans ta maison, dans tes complications, dans tes situations, que Jésus-Christ embarque. Dans tes combats, que Jésus-Christ embarque. Quand tu vas combattre ayant Jésus-Christ comme associé, ayant Jésus-Christ avec toi, la victoire est certaine. C'est là que tu pourras dire que nous combattons dans la victoire et non pas pour la victoire. La Bible déclare ceci. Jésus-Christ embarqua dans la barque à Simon. Il n'a pas embarqué dans n'importe quelle barque. Dieu t'a localisé et il a embarqué dans ta barque à toi. Cette situation qui te dérange là, ils étaient déjà déçus. Ils descendaient déjà de leur barque. Ils avaient leur filet. Le filet, ça représente ton cœur. Dites mon cœur. Le filet, c'est le cœur des pêcheurs. Quand tu n'as pas le filet, même si tu as la barque, si tu n'as pas le filet, tu ne peux pas pêcher. Alléluia. Tu ne peux pas attraper les poissons. Le filet, c'est ce qui leur fait vivre. Et les filets, c'est leur cœur. La Bible déclare quoi? Là où est ton trésor, là c'est là, c'est là aussi toi. Quoi? Ton cœur. Alléluia. C'était leur trésor, c'était leur cœur. Si ton cœur est sale, c'est difficile que Jésus-Christ te fasse un miracle avec toi. Si ton cœur a déjà ramassé des cochonneries de la mer, c'est difficile que Dieu fasse quelque chose avec toi. Bien qu'il soit dans ta barque. Tu as les filets, mais ton filet ne pourra pas attraper les poissons parce qu'il est déjà rempli de mauvaises choses. Ces gens ici, les pêcheurs ici, ils étaient en train d'enlever des mauvaises choses dans leur filet. C'est que toute la nuit, à la place d'attraper les poissons, ça attrapait les cochonneries de la mer. La mer, ça représente le monde. Ça représente le péché. Alléluia, les systèmes de ce monde. Si dans ta vie, tu vas toujours commencer à ramasser des choses de ce monde, tu as ton téléphone dans ton cœur, c'est plein de chansons du monde. Oh, Madonna a chanté. Oh, c'est lui qui a fait sortir. Bien aimé, tu ne vas pas attraper ce qui est la bénédiction. Tant que dans ton cœur, il y a encore beaucoup de mauvaises choses de ce monde, c'est difficile que ton cœur puisse attraper quelque chose de Dieu. Ah, mon petit chéri, là, si je l'abandonne, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Tu es dans le péché. Tu es conscient que tu es dans le péché. Ah, vraiment, c'est mal l'idée de penser qu'on va se séparer, ça me tue. Au lieu de dire que ça me donne la vie, tu dis que ça te tue. Ils font enlever tout ce qui est du monde. Alléluia. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas nous embarquer et qu'on conduit comme des gens de ce monde. Dans le nouveau départ, nous devons prendre l'engagement, la décision de laver nos filets. Alléluia. De faire le ménage de notre cœur, le ménage de nos pensées, le ménage de notre esprit. Nous devons faire le ménage, enlever tout ce qui n'est pas bon, enlever tout ce qui nous bloque, enlever tout ce qui nous empêche de voir la main de Dieu. Enlever, le péché t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Le péché t'empêchera de voir même le Seigneur lui-même. Le péché t'empêchera d'atteindre ta bénédiction. Le péché t'empêchera d'atteindre ta destinée. Le péché va te détourner du droit chemin. Le péché va empêcher la bénédiction d'arriver là où toi tu es. Le péché va empêcher à ce que la main de Dieu puisse te toucher. La Bible déclare que non, la main de Dieu n'est pas courte. Pourquoi? Pour nous bénir. Mais ce sont quoi? Ce sont nos péchés qui font quoi? Qui mettent un mur de séparation entre nous et Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour te bénir. Mais tes péchés. Alléluia.
tes péchés. Nous devons mettre à l'écart, dans ce nouveau départ, nous devons faire un effort. Même si c'était compliqué cette année, s'il vous plaît, faisons un effort. Alléluia. Chacun de nous qui fournisse un effort de faire de mieux en mieux. Ce que tu n'avais jamais le courage de faire, que tu le fasses cette année. Ce que tu n'étais pas capable d'atteindre, que cette année, moi, tu puisses l'atteindre. Les objectifs que tu visais, mais que tu n'avais jamais atteint, que cette année, au moins, tu puisses l'atteindre avec Jésus. Mais il faut que tu enlèves les péchés en toi. La colère, la rancune, ça t'apporte quoi? La haine, la jalousie, ça t'apporte quoi? Laisse ça que le bonheur puisse être ton partage, que la sanctification soit ton partage. En ayant la sanctification, le bonheur va te suivre. Alléluia. Et bien, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Pas un temps, pas seulement les dimanches. Alléluia. Et la maison de l'Éternel, c'est où? C'est ton cœur. Amen. La Bible dit que vous ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit. Oh, Dieu est esprit. Si Dieu habite en nous, nous allons faire des exploits avec Dieu. La Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Mais il n'y a pas moyen qu'il écrase les ennemis tant qu'il ne fait pas affaire avec toi. C'est pourquoi il y a des combats qui ne se terminent pas des fois. C'est parce que nous combattons mal. Nous combattons et il y a encore des lacunes, il y a encore des manquements, il y a encore des choses à réparer, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à enlever dans notre filet. Dis à ton voisin, nettoie ton filet. Alléluia. Dis-lui bien, nettoie bien ton filet. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut que tu nettoies ton filet. C'est ici, ces pécheurs, ils ont péché toute la nuit. Pas toute la nuit, mais toute la nuit. C'était un jour, ils ont travaillé très fort. Peut-être que tu as déjà travaillé très fort par rapport à ta situation. Tu as déjà beaucoup jeûné, tu as déjà beaucoup prié, tu as déjà beaucoup intercédé, tu as déjà lu la parole de Dieu. Mais il te manque une chose, il faut que tu enlèves ce qui n'est pas bon dans tes filets. Alléluia. Ils étaient en train d'enlever ce qui était du mal dans leur filet. Jésus-Christ les avait repérés, il a dit, ils sont prêts. Alléluia. Quand ils ont terminé d'enlever les choses qui n'étaient pas bien dans leur filet, Jésus-Christ s'est embarqué dans leur barque. Et il a dit à Simon-Pierre quoi? Avance en pleine eau. Alléluia. Lui, il venait des eaux. Mais au lieu quand on dit quoi? D'avancer encore dans les eaux. Il y a des exercices que tu as déjà fait dans ta vie, mais tu avais échoué. Cette fois-ci, après avoir nettoyé ton filet, dans le nouveau départ, engage-toi encore de nouveau. Alléluia. Tu as déjà frappé une porte pour trouver un travail, mais tu n'as pas trouvé cette fois-ci encore. Va encore frapper cette même porte-là. Tu as déjà fait des efforts pour te trouver une fiancée, un fiancé. Cette fois-ci encore, frappe dans cette porte. Dieu va ouvrir la porte. Tu as déjà travaillé pour la réussite, pour ce n'est pas un projet. Tu as déjà même soumis ton projet quelque part. On ne t'a pas bien répondu. On ne t'a pas bien accueilli. Va encore frapper la porte. Essaie encore de nouveau. Tu as déjà déposé des CV. Va encore déposer ou bien va encore appeler. Fais la suivi de ton CV. Tu auras quelque chose. Alléluia. Fais la suivi. Dis à ton voisin, fais la suivi. Pierre, il venait déjà des eaux. Mais on l'a dit d'avancer à pleine eau. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas te bénir tant que tu restes encore attaché avec la terre. Jésus-Christ, le Seigneur, avait dit avancer à pleine eau, de quitter la terre. Ils ont commencé à quitter la terre. Amen. Avance dans la pleine parole. Avance dans la profondeur de Dieu. Avance dans la profondeur de la tête du Seigneur. Que tu avances, que tu t'éloignes de la terre. Que tu t'éloignes du monde. Que tu t'éloignes de ce système. Que tu t'éloignes de tout ce qui n'est pas droit. Que tu t'éloignes de tout ce qui n'est pas de Dieu. Éloigne-toi des mauvais amis. Éloigne-toi des mauvaises compagnies. Éloigne-toi des mauvaises camaraderies. Éloigne-toi des mauvaises habitudes. Éloigne-toi des mauvais comportements. Tu t'assois du matin au soir. Alléluia. Essayons de cultiver en nous des bons comportements. Améliore ta
vie spirituelle, si tu es en train de suivre les prédications, tant mieux. Mais ce n'est pas non plus toutes les prédications que tu pourras suivre aussi. Tu verras quelqu'un dit matin au soir, assis, en train de suivre. Suivre quoi? Alléluia! Essaie de t'améliorer. Tu seras sur WhatsApp toute la journée. Il y a eu blocage du système au Congo, de mon pays, pendant 20 jours. Mais les gens ont pleuré. Alléluia! J'étais déjà habitué à parler chaque jour. Mais avant, quand nous utilisions les cartes, les gens parlaient moins. Ils avaient aussi le temps de prier. Mais maintenant qu'il y a WhatsApp, tu vois pas même quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, Rabbi, glorifie ton nom, Bachakara, Baba. Un message rentre. Il ouvre les yeux, regarde. Éloigne-toi. Entre à pleine zone. Alléluia. Éloigne-toi un peu. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Un temps pour écouter ces choses. Un temps aussi pour prier. Où est le temps de Dieu maintenant? Les gens sont rentrés seulement dans les systèmes. Mais ils ne sont plus rentrés dans les systèmes de Dieu. Rentrons encore la profondeur en Dieu. Amen. Rentrons encore dans la profondeur du Seigneur. Dans les nouveaux départs, recherchons encore la profondeur de Dieu. On lisait beaucoup plus la parole. Aujourd'hui, moindre pépin, directement à l'hôpital. Mais avant, les gens priaient d'abord. Alléluia. Même pour aller à l'hôpital, tu devais d'abord prier. Tu ne sais pas celui qui va te recevoir là-bas. Il y a aussi des satanistes là-bas qui t'attendent. Vous savez, ces médecins-là, il y en a beaucoup qui ont des expériences aussi diaboliques. Dieu leur avait donné l'intelligence pour soigner les gens. Mais il y en a d'autres qui ont encore l'autre intelligence, ce n'est pas de Dieu, pour tuer les gens. Tu vois, au lieu de te donner ces médicaments, on te donne autre médicament. On t'y est parti pour autre chose, on commence à te dire que tu as autre chose. Et quand tu pries, tu vas voir le même échange. Alléluia. Ah non, on n'avait pas bien vu. Vous n'avez pas bien vu que vous avez des appareils. Les mamans, tu vas voir toujours, on veut toujours voir. Ah, je vais passer à l'échographie. Je vais passer à l'échographie, voir c'est quel enfant, garçon, fille. Nous, à notre époque, on priait, on avait l'échographie céleste. Il y avait déjà l'échographie ici. Quand je mettais au manger, il y avait déjà l'échographie ici. Mais je me fiais à l'échographie céleste qui ne trompe jamais. Moi-même, je pouvais dire que non, je vais avoir un garçon. Mais Dieu me dit, tu vas avoir une fille. Alléluia. Et il me donne le nom. Et j'accouchais une fille. Et je lui donnais ses mots. Mais aujourd'hui, nous sommes pressés seulement. Les médecins. Le médecin a dit, il ne faut pas que je mange ici. Il ne faut pas que je mange à telle heure. Il faut pas que... On s'est mis beaucoup de lois. Qu'on a mis même de côté la voix de Dieu. Même si Dieu te dit, jeûne. Tu vas dire, non, 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 le médecin m'a dit, il n'est pas gêné. Mais Dieu t'a parlé. Ici, on voit qui? Pierre. Jésus lui a dit quoi? Avance en pleine eau. Pendant que Jésus-Christ lui a dit d'avancer en pleine eau, Jésus-Christ était encore debout. Alléluia! Il y a des fois que Jésus-Christ est dans ta vie, mais il est debout. Il n'est même pas encore assis. Il regarde ton comportement, ta réaction. Il reste en position que je débarque ou je continue. Quelqu'un qui rentre chez toi, il frappe à la porte, même les facteurs. Quand il vient à ta porte, il t'amène un colis. Tu dois signer. Tu le mets à la porte dans ses froids. La porte est ouverte. Si tu ne dis pas d'entrer, il reste dehors. Il va te faire signer la hâte. Tu dis que même de signer, c'est qu'il n'était pas à toi. Mais si tu le fais rentrer, alléluia. Il rentre dans ta maison, tu fermes la porte. Maintenant, tu dis, bon, je vais signer où? Tu vérifies, est-ce que c'était ton colis? C'est vrai, ok, maintenant tu signes. Amen. Parce que tu as vérifié. Il y a des gens qui peuvent arriver chez toi. Si tu ne lui donnes pas la place, il ne va pas s'asseoir comme moi. Si j'arrive chez toi, tu ne me donnes pas la place, je ne m'assois pas. C'est poli. Alléluia. Mais quand tu dis à quelqu'un de s'asseoir, maintenant s'il avait quelque chose à te raconter, il va te raconter. Mais si tu le laisses debout, soit tu vas parler à l'acte, soit tu vas même plus parler. Amen. Si tu veux bien écouter, écoute ce que la profondeur donne la place à quelqu'un. Jésus-Christ était embarqué dans la barque, mais il était resté debout. Quand il a avancé à plein eau, Jésus-Christ s'est assis. Alléluia. Et s'étant assis maintenant, il a commencé maintenant à donner les ordres. Quand Christ est assis dans ta vie, c'est alors qu'il pourra bien te parler. Est-ce que Jésus dans ta vie est-il assis ou il est encore debout? Est-ce que Christ, il te parle encore ou il ne parle pas? S'il ne parle pas, c'est qu'il est encore debout. Laisse ça que dans ce nouveau départ, que Christ commence à nous parler. Dans cette année, je veux à ce que chacun de nous développe l'ouïe spirituelle, qui développe l'écoute spirituelle, qui développe à être et à écouter Dieu et à recevoir de sa part des instructions. Laisse ça que mon Dieu te parle cette année au nom de Jésus. Que tu ne laisses pas debout, mais que tu ne fasses asseoir. Avance en pleine eau. Sépare-toi du monde. Quand tu te
Jésus-Christ se passe quelque chose dans ta vie, il faut que tu risques avec lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Si tu veux assez que Jésus fasse quelque chose dans ta vie, bien-aimé, commence par risquer avec Jésus. Il te dit de jeûner, jeûne. Tu ne mourras pas. 3 jours, passe. Ah, pasteur, 3 jours. Mais on en a déjà fait même 5. Alléluia. 3 jours seulement, ça te fait peur. Il y en a qui ont déjà fait des 9 jours secs. Mon apôtre, moi, l'apôtre Edith Nabal, il avait fait 9 jours secs. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai connu des pasteurs qui ont déjà fait 7 secs. Toi, c'est ma 3 jours, ça te panique. Alléluia. Essaie d'avancer après le haut. Quitte le bébé là-là. Quitte le monde. C'est pas toi du monde. Quand tu es à terre, moindre problème, tu vas courir chez l'oncle, chez la tante, chez ton ami, tu vas parler. Mais il faut que tu te sépares. Que tu arrives au niveau où même quand tu as un problème, tu n'as même pas les moyens de parler à quelqu'un. Tellement que tu es déjà très éloigné. Tu es dans la profondeur de Dieu. Tu es seulement toi et Dieu. Il n'y a plus une autre personne. Seulement toi et Dieu. Et là, si tu vas risquer, tu vas risquer avec Dieu. Risque avec Dieu. Nous avons regardé les étapes, les principes pour le nouveau départ. Nous avons dit qu'il faut aussi risquer avec Dieu. Il faut risquer. Il faut risquer. Des fois, nous avons peur de risquer. Notre vie, on l'a pas avec beaucoup de considération qu'il y a des seigneurs. Il faut risquer avec Dieu. Pierre a accepté, c'est moi qui ai écouté les instructions, il a avancé. Étant avancé, maintenant Jésus se dit quoi? Jette le filet. Il a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons même pas attrapé un seul prêtre. Mais par ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a écouté la voix de qui? Du maître. Nous avons dit notre père de cette matinée, suivre la voix de qui? Du maître. Si tu vas suivre l'instruction de Jésus, tu ne peux jamais échouer. Si tu vas suivre la voie de Jésus dans ce nouveau départ, dans cette année 2019, tu ne vas pas échouer. Si tu vas suivre la voie du Maître, tu vas arriver à atteindre ta bénédiction. Si tu vas suivre sa parole, tu vas suivre son instruction, non pas l'instruction de l'homme, bien aimé, tu auras la bénédiction. Aide-toi à écouter la voix de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider beaucoup à écouter la voix du Seigneur. Écoute le Seigneur. Je te demande une seule chose. Écoute le Seigneur. Écoute la voix du Maître. Quand tu vas l'écouter, tu vas avoir la bénédiction. Quand tu vas l'écouter, tu vas aussi avoir la grâce de Dieu. Quand tu vas l'écouter, tu vas voir la grandeur de Dieu. Quand tu vas l'écouter, c'est alors que tu verras la puissance de Dieu. Quand tu vas l'écouter, c'est-à-dire que tu vas voir Dieu se déclencher, se déchaîner et faire quelque chose de particulier pour toi. Quand tu vas l'écouter, tu vas voir aussi les cieux s'ouvrir pour toi. Quand tu vas l'écouter, il y aura la réussite dans ta vie. Écoute Dieu. Amen. Et Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Peut-être seulement à travers la prédication, comme ça Dieu te parle. À travers la Bible que tu lis, Dieu te parle. À travers la voix audible, Dieu peut te parler. À travers la voix intérieure, la voix de la conscience, Dieu peut te parler. À travers des visions, Dieu peut te parler. À travers des rêves, Dieu peut te parler. À travers des songes, Dieu peut te parler. Dieu peut te parler à travers les hommes. Il peut te parler à travers même tes ennemis. Il peut te parler. Dieu lui parle. À travers les situations, Dieu va te parler. Mais écoute, qu'est-ce qu'il veut que toi tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses? Écoutons la voix du Maître. Pierre avait écouté la voix du Maître. Simon Pierre a écouté la voix du Maître. La Bible déclare qu'il a écouté et il s'est laissé entraîner par la voix du Maître. Il a fait ce que le Maître l'avait demandé. Il a jeté les filets. Alléluia. Ayant laissé d'abord Dieu, Jésus embarqué dans sa barque, l'ayant laissé la place de s'asseoir, et ayant écouté ses instructions, 3 choses. Laisse-les embarquer dans ta barque, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Donne-lui la place à s'asseoir, dans cette affaire-là qu'il s'assoit. Alléluia. Et maintenant, laisse-le parler à ton cœur, parler à ta vie. Écoute ce qu'il va te dire. Des fois, Dieu nous parle, mais on ne veut pas écouter ce qu'il nous dit. Il nous dit autre chose. C'est ce que l'homme de Dieu vient de parler. Dans Deutéronome 28:1. Écoutez seulement la voix de Dieu. Obéir la voix de Dieu, mettre en pratique sa parole. Des fois, il nous parle, mais nous faisons les sourdes oreilles. Des fois, il nous parle, il nous dit des choses, mais nous ne voulons pas écouter. Des fois, il nous parle,
mais nous voulons négliger. Des fois, il nous parle, mais nous faisons semblant comme si nous n'avons pas écouté. Des fois, il nous parle, nous ripostons, mais nous disons que c'est compliqué. Des fois, il nous parle, nous disons que c'est très difficile, Seigneur, que je fasse ça. Oh Dieu, il regarde ta foi. Il ne peut pas te donner des choses qui dépassent le niveau de ta foi. Il veut assez que toi tu avances et que tu fasses ce qui est sa volonté. Si tu vas faire sa volonté, cette année tu vas voir des grands miracles. À tel point que tu vas manquer même la force pour tirer ces miracles, ces bénédictions. Tu peux même attirer d'autres personnes pour venir participer à ta bénédiction. Tu pourras même devenir une bénédiction pour d'autres personnes cette année. Mais que toi tu écoutes seulement sa voix. Que tu écoutes seulement sa voix. Laisse-toi entraîner par lui. Il t'invite, il dit, dimanche viens. Même si la semaine tu n'étais pas venu à l'église, au moins le dimanche fais les sabbats, sanctifie les jours du Seigneur. Mais tu vas voir quelqu'un, dit, regarde, le dimanche je suis fatigué. Le dimanche je sommeille, vous savez, le lundi on va commencer l'école, on va commencer le travail, j'ai même reposé. C'est bien de te reposer. Tous nous avons besoin de nous reposer. Même un jour Jésus-Christ était embarqué dans une barque, il a même dormi. Alléluia. On a besoin de se reposer. Mais il faut que nous soyons toujours en train de suivre l'instruction du maître, la voix du maître. Qu'est-ce que le maître nous dit de faire? Dans cette relation, qu'est-ce que Dieu dit de cette relation? Tu as une relation, de nos jours, les gens se marient par sentiment, par beauté. Ah, elle a des derrière, elle a des, je ne sais pas, des devants, elle a des 30 tailles. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si on va tous commencer à regarder l'apparence extérieure, et les autres personnes que toi tu considères les là, Dieu les avait créées, qui va partir avec eux? Alléluia. Pourtant, dans ces gens-là, il y a aussi des beautés intérieures. Et des gens efficaces qui peuvent aussi bénir les autres personnes, qui peuvent apporter un plus dans ta vie. Et toi, tu regardes l'extérieur. Sont rares les gens qui demandent à Dieu, est-ce que ce mariage, ce fiancé, est-ce que ça vient de toi? Ils sont devenus rares. Et c'est pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi les gens n'aiment pas écouter Dieu? Si toi, en matière de mariage, les gens n'aiment plus écouter Dieu. Il y a même des enseignements qui sont sortis, des prédications qui n'ont pas les mêmes de mesures. Ils ont fabriqué leurs prédications de leur façon. Dieu avait créé à Adam et Ève. Est-ce qu'il avait demandé son avis? Alléluia. Il avait demandé son avis. Adam, tu aimerais déjà les femmes? Grandes ou petites, non, il amène. Et l'homme a dit quoi? Waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os. Celui que Dieu te donne n'est pas mauvais. C'est toi qui vois la laideur en lui, mais cette personne n'est pas mauvaise. Mais l'homme, il veut voir de sa façon. Et les gens ont changé, ils ont dit quoi? Maintenant, quand l'homme a péché, il a dit, la femme que tu as créée, depuis ce jour-là, Dieu a lavé les mains, il a dit que je ne choisirai plus pour toi, choisis. Hein? Choisis alors. Ce qui va t'arriver demain, tu seras conséquent de ce qui va t'arriver. La Bible dit ceci, les brebis de l'Éternel connaissent sa voix. Et ils le suivent. Si tu es de Dieu, tu vas écouter la voix de Dieu et suivre la voix de Dieu. Si tu es de Dieu, tu sauras écouter la voix de Dieu et suivre la voix de Dieu. Mais les gens aujourd'hui aiment suivre leur propre voix. Suivre la voix de son voisin. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves cette fille? Ah, je la trouve belle. Ah ouais, c'est chouette. Vous allez bien, regarde la taille. On va se perdre comme ça. Dans telle entreprise, ah, moi je ne vais pas dans cette entreprise. Moi, si c'était mon choix, je n'irai pas. Ah, moi aussi, je n'irai pas. Je connais un peuple où j'ai vécu. Si tu vas aller leur vendre quelque chose, tu amènes des pagnes, tu les montres les pagnes. Toi, tu as déjà trouvé que c'est beau. Par rapport à sa couleur, par rapport à sa teinture, tu trouves que cette couleur lui va très bien. Tu lui proposes, tu dis, entre celle-ci et celle-là, en tout cas, celle-ci va t'aller bien. Donc d'abord, je vais voir. Il entre dans l'autre magasin voisin. Il va demander à son voisin. Comment tu trouves cette couleur ici? Et puis ces gens-là de ce pays-là, ils n'avaient pas de goût de couleur. Ça, c'est pas beau. Ah, hein. Moi, non. Moi, je n'aimerais pas. Il dit, ah, hein. On va demander le voisin, l'autre voisin. Comment tu trouves? L'autre voisin dit, moi, je trouve pas, c'est pas beau. Il vient, il revient. Il dit, ah, non, madame, on va pas prendre. On va pas prendre. Mais s'il a dit qu'il va prendre, même si c'est les comment, tous ils vont prendre. Ils n'avaient pas le choix. Alléluia. Dans notre choix, associons toujours qui? Jésus. Écoutons ce qu'il nous dit. Dans l'option que tu veux faire pour tes études, pour ton futur, qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Oh, moi je vais devenir je ne sais pas qui. Je vais faire seulement la médecine. Mais Dieu te dit dans la médecine, là, ce n'est pas ton problème. Moi je te trouve peut-être dans l'enseignement.
moi enseignement. Jamais. Moi là enseignement. Dieu, il voit là où tu pourras bien progresser ou là où tu n'auras pas de problème. Peut-être dans la médecine là-bas, il y aura des gens qui vont te piéger et tu pourras avoir un problème et une complication qui t'amènera à la prison. Alléluia. Dieu, il voit avant nous. Mais nous ne voulons pas écouter. Tu peux travailler par ton intelligence. Pierre avait l'expérience des péchés. Il avait l'expérience d'attraper les poissons. Il connaissait à quel âge on gagne le plus. Et c'est beaucoup la nuit qu'on pêche. Mais Jésus est venu en plein jour. Avec Jésus, tu peux avoir des miracles à n'importe quelle heure. Ce n'est pas seulement la nuit, ce n'est pas seulement le jour. Mais avec Jésus, à son temps, au temps marqué de Dieu, il fera quelque chose dans ta vie. C'est paralytique qui avait fait 38 ans à la piscine de Bethsaida. C'est paralytique, il était là blessé pendant longtemps. Il attendait le mouvement de l'eau. Mais Jésus dit, c'est lui qui a apparu. Sans mouvement d'eau, il a guéri. Jésus peut apparaître n'importe quand. C'est question seulement que tu sois attentif et que tu sois au lieu du rendez-vous. C'est question seulement que tu le laisses embarquer dans ta barque et que tu suives ses instructions, que tu écoutes sa voix. Il est de cet homme. Fais-tu être guéri? À la fin de dire oui, il commence à lui expliquer. Je n'ai personne pour me jeter où? Dans l'eau. Lui, son problème, c'était quoi? Les gens. Est-ce que c'était les gens qui cherchaient ou bien ils cherchaient la guérison? Il était là-bas de 38 ans attendant quoi? Les gens ou bien la guérison? Alléluia! Les gens ou la guérison? La guérison. Mais Jésus dit, c'est le bien. Veux-tu être guéri? On lui pose la question, il dit quoi? Je n'ai personne. C'est beaucoup de gens qui sont ici, sont comme ça. Tu viens pour une grâce de Dieu, tu viens pour le salut, tu viens pour une bénédiction, tu viens pour la main de Dieu. Mais quand on te demande, tu demandes, mais je n'ai personne, toute ma famille m'a laissé tomber, on m'a rejeté, on m'a abandonné, laisse-les t'abandonner, c'est bien. Quand ils vont t'abandonner, c'est dans que Christ va te ramasser. La Bible dit quoi? Mon père, ma mère m'abandonne, mais Christ ne m'abandonnera jamais. Laisse-les partir! Laissez-les partir! S'ils vont partir, laissez-les partir, mais sois au rendez-vous de Dieu. Tant que tu connais que tu es à la bonne adresse, reste dans la bonne adresse. Tant que tu sais que je suis dans le bon endroit, laisse dans ce bon endroit. Tant que tu connais que je suis avec le Seigneur, reste avec le Seigneur. S'ils vont partir, laisse-les partir. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant que tu es avec Jésus, la victoire est certaine. Tant que tu es avec Jésus, un miracle se produira. Tant que tu restes avec Jésus, quelque chose se fera. Pierre avait d'abord commencé par son intelligence. Avec ton intelligence, il y aura toujours des échecs. Il a travaillé toute la nuit. Il a exercé toutes les stratégies, toutes les techniques. Je ne sais pas, on jette à gauche, on jette à droite, on jette par ici, on jette par là. Je ne sais pas comment on pêche. Mais il a utilisé toutes les techniques, tous les trucs. Il a utilisé. Mais il n'a même pas gagné un seul poisson. Fatigué le jour, il descend maintenant au bord du lac. Et là, maintenant, Christ s'embarque. Il a dit, avance en pleine eau, il jette direct les filets. Il a jeté les filets. Il a gagné beaucoup de poissons. Alléluia. Amen. Avec Christ, nous avons la victoire. Ce n'est pas avec nos diplômes. Ce n'est pas avec notre intelligence. Ce n'est pas avec nos compétences. Ce n'est pas avec nos capacités. Ce n'est pas au rang de notre famille. Ce n'est pas au rang social. Ce n'est pas au niveau où nous sommes rendus. Ce n'est pas au rang ministériel. Mais c'est à la capacité divine que nous allons voir les miracles. Laisse à ce que nous puissions écouter la voix du Maître. Puissant de Jésus. Si tu veux voir la gloire de Dieu, crois à sa parole et mets cette parole en pratique. Tu verras la gloire de Dieu. Les brebis écoutent la voix du berger et ils suivent ses bergers. Suis le Seigneur. Alléluia. Dans les bons et les mauvais jours, abatte toujours avec le Seigneur. Laisse-lui prendre place avec toi. Au bord de ta vie, qu'il soit dedans. Dans tes affaires, qu'il soit dedans. Dans tes projets, qu'il soit dedans. Si lui l'embarque dans ton mariage, il y aura la réussite. Même s'il y avait eu des chicanes, même s'il y avait eu des menaces de divorce, la victoire va se manifester. Et un grand miracle qui va toucher aussi d'autres personnes. Laisse à ce que Dieu embarque avec toi. Le miracle est certain. Dis à ton voisin, le miracle est certain. Avec Jésus, le miracle est certain. Dis à ton voisin, avec Jésus, le miracle est certain. Laisse-lui embarquer avec toi. Alléluia. Marche avec lui. Tu n'as pas encore rien perdu. Il y a encore les moyens. Il y a encore les miracles. On a toujours dit qu'il y a encore match. Le match n'est pas encore fini. Tu n'es pas encore mort. Ce n'est pas encore fini avec toi. Ces gens-ci, ils avaient fini de pécher. Mais ce n'était pas encore fini avec eux parce que Christ n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas encore fini. Et ils pensaient que la journée était déjà perdue. Pour eux, ce jour-là, les bilans étaient déjà négatifs.
pertes. S'ils utilisaient la pirogue à moteur, ils avaient perdu les carburants. Mais la Bible déclare quoi? Comme Jésus-Christ les avait vus, les avait localisés. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a localisé ce soir, cet après-midi. Il veut faire quelque chose avec toi. Il n'a pas embarqué dans n'importe quelle barque. C'est dans la barque de ta vie qu'il veut embarquer. Il veut t'utiliser, faire des grandes choses avec toi. Même si tu avais déjà fait des erreurs, aujourd'hui c'est le temps encore de revenir à lui. Pierre avait commis déjà des erreurs, de penser à sa propre capacité, à ses efforts, à ses compétences, à ses apprentissages, à son professionnalisme. Il avait compté sur lui-même, à sa force. Il avait échoué. Mais il a laissé Christ quand même embarquer. Quand Christ a embarqué avec lui, la Bible déclare que Christ a fait quelque chose. Il a écouté la voix du maître et il a eu la victoire en bénédiction. Laisse à ce que tu écoutes la voix de ton maître aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que Dieu change ta situation là où tu avais déjà échoué. Que cette fois-ci tu puisses réussir au nom de Jésus. Amen. Tu avais déjà fait l'effort d'abandonner l'impudicité, d'abandonner la dureté. Tu avais échoué. Mais cette fois-ci, laisse à ce que Jésus-Christ te fasse réussir au nom de Jésus. Amen. Tu avais déjà abandonné, même l'idée de conduire fournit l'effort pour laisser tes mais cette fois-ci, laisse à ce que Christ embarque avec toi. Il te dit seulement avance encore un peu haut. Avance avec lui. Laisse-le s'asseoir dans toi. Et laisse-lui prendre des décisions en toi. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le te convaincre. Laisse-le te parler. Laisse-le te manifester dans ton existence. Parce que lui, il veut faire des grandes choses avec toi. Écoute la voix du maître.